Bonjour, dans cette vidéo, je vais parler du cytoplasme. Mais qu'est-ce que le cytoplasme? Voici une cellule très simple. Elle est délimitée par une membrane plasmique que j'ai dessinée en bleu. Ce qu'il y a à l'intérieur de cette cellule, c'est le cytoplasme qui apparaît ici, en vert. Si on veut être bien rigoureux au niveau du vocabulaire, on doit dire que le cytoplasme est séparé en deux parties. D'une part, le hyaloplasme ou cytosol, même si ces deux termes ne sont pas exactement équivalents, c'est la partie plutôt liquide. D'autre part, les organites, qui sont des éléments séparés par une ou plusieurs membranes et que l'on peut distinguer au microscope. Par exemple, il peut s'agir du noyau, des mitochondries, ou des chloroplastes dans des cellules végétales, ou encore du réticulum. Sur le schéma, j'ai représenté plusieurs organites, de manière très simplifiée, en rouge. Donc tout ça, ce sont des organites. La partie plutôt liquide, dans laquelle baignent ces organites, est appelée le hyaloplasme ou cytosol. Donc l'ensemble, formé par organites plus hyaloplasme, est le cytoplasme. Alors ça peut vous paraître un peu tiré par les cheveux, mais c'est quand même important dès maintenant de commencer à faire la distinction. Ce dont il faut se souvenir, c'est que organite plus hyaloplasme égale cytoplasme. J'ai dit que le hyaloplasme était une partie liquide. En fait, le hyaloplasme est plutôt sous forme d'un gel que sous forme d'un liquide. Il contient en effet beaucoup d'eau, environ 70%, mais aussi beaucoup de grosses molécules qui vont lui donner un aspect plutôt gélifié, alors un peu comme la jelly, vous voyez ces desserts anglais ici qui ont une texture de gel. Alors c'est peut-être pas autant que ces desserts, la réalité est sûrement un peu entre les deux. On s'imagine souvent le cytosol comme un liquide. Donc j'ai déjà dit que c'était plutôt un gel, mais il faut s'imaginer cela comme quelque chose de très encombré. Si l'on pouvait se faire très petit, aussi petit que les molécules qu'il y a dans le cytosol, eh bien voilà sûrement ce que l'on verrait. C'est une représentation artistique du contenu du cytosol. Et on peut voir qu'il y a des filaments. Ces filaments, ils correspondent à ce qu'on appelle le cytosquelette. Et il y a aussi beaucoup d'autres molécules, donc c'est très encombré. Cette image, obtenue par une autre technique de microscopie puis de traitement d'image, montre aussi des filaments en rouge, ce sont des filaments du cytosquelette, des filaments d'actine, et en vert, les ribosomes. L'idée est la même ici, ce que je veux vous montrer, c'est que le cytosol, c'est quelque chose de très encombré et pas du tout un liquide. Donc quand vous pensez au cytosol, ne pensez pas du tout à un verre d'eau, pensez plutôt à ces images. Il faut aussi imaginer que toutes ces molécules qui encombrent le cytosol, elles sont en mouvement permanent. Cette vidéo en donne un petit peu une idée, mais bien sûr, dans la réalité, les molécules bougent encore plus vite que ce qui est représenté ici. Le cytosol est le siège de nombreuses réactions. Par exemple, la respiration cellulaire, qui fait réagir un glucose et du dioxygène, produit de l'énergie, du dioxyde de carbone et de l'eau, est une réaction qui se déroule en plusieurs étapes, dont certaines étapes se font dans le cytosol. Les autres étapes se font dans la mitochondrie, qui fera l'objet d'une vidéo dans ce cours. La fermentation aussi, la réaction qui permet d'avoir de l'énergie sans apport de dioxygène et qui produit beaucoup de dioxyde de carbone, a lieu dans le cytosol. Nous allons maintenant voir quelques illustrations du cytoplasme. Voici une cellule de foie observée au microscope optique et colorée au bleu de méthylène. On distingue ici la membrane plasmique qui délimite la cellule, avec donc à l'intérieur le cytoplasme, et on peut distinguer aussi le noyau. Pour l'image suivante, il s'agit toujours d'une cellule de foie, mais cette fois-ci observée au microscope électronique à transmission. On distingue à nouveau la membrane plasmique qui délimite la cellule, avec à l'intérieur le cytoplasme, et aussi le noyau. On peut distinguer d'autres organites à l'intérieur du cytoplasme, on voit bien ici des mitochondries dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps d'ajouter les légendes dans votre poly de cours.
Je vous remercie pour votre attention. La prochaine vidéo portera sur les mitochondries. Et si vous souhaitez en savoir plus sur cette distinction de vocabulaire qui n'est pour l'instant pas exigible sur le cytosol, le cytoplasme ou le hyaloplasme, je vous conseille cette vidéo de la chaîne Biologique.